Alors, bienvenue dans la seconde vidéo pour vous aider à bien comprendre la pièce Britannicus. Donc, pour ce faire, il faut se projeter dans la Rome antique à partir de l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 68 après Jésus-Christ. Auguste, auparavant nommé Octave et neveu du célèbre Jules César, est le premier à mettre en place un pouvoir officiellement autocratique dans Rome, qui jusqu'alors était une république. Je vous rappelle que vous avez la définition du mot autocratique dans vos cahiers. Donc si on regarde l'arbre généalogique, les premiers conflits au sein de la famille impériale apparaissent dès la succession d'Auguste, puisque celui-ci n'a qu'une fille légitime, Julie. Les femmes ne peuvent pas être chefs d'État, évidemment, dans la Rome antique. Auguste résout ce problème en adoptant et en nommant empereur Tibère, fils de son second mariage avec Livie. Il adopte Tibère, celui-ci n'est pas son fils. À la fin du règne de Tibère, celui-ci meurt sans descendance. Ou alors, la descendance qu'il a déjà est trop jeune. Il favorise donc l'arrivée au pouvoir d'un descendant de sa demi-sœur Agrippine numéro 1, l'empereur fou Caligula. Donc vous faites bien attention, il y a deux Agrippines, Agrippine 1 et Agrippine 2. Celle qui est dans notre pièce, c'est Agrippine numéro 2. L'empereur Caligula meurt sans descendance lui aussi, et Rome va donc chercher un héritier homme de la famille impériale pour lui succéder. Ce sera Claude, le neveu de Tibère, c'est-à-dire le fils de son frère. Enfin, après la mort de sa première épouse Messaline, dont il aura deux enfants Britannicus et Octavie, Claude se remarie avec Agrippine numéro 2, je vous le rappelle, c'est celle qui est dans notre pièce, la mère de Néron. Mais si l'on observe bien la généalogie, cela signifie que l'arrière-petit-fils d'Auguste, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils adoptif, épouse en fait son arrière-petite-fille Agrippine II. Puisque si l'on regarde l'arbre généalogique, Agrippine II, c'est la fille de la petite-fille d'Auguste. Donc, son arrière-petite-fille. On voit bien donc que dans cette famille, il y a des mariages contre nature. De plus, ce n'est pas son fils naturel que Claude choisira pour lui succéder. Britannicus perd le trône, mais il va choisir Néron qu'il a adopté après s'être remarié, donc avec Agrippine numéro 2. Donc, on voit bien, on retrouve bien ici la situation de notre pièce qui est celle d'un Néron au pouvoir à la place de Britannicus, qui, lui, était le fils naturel du précédent empereur.